Une vingtaine d'aires d'accueil destinées aux gens du voyage sont recensées dans les Yvelines. Cela représente 403 places. Le département doit obligatoirement réaliser 224 places supplémentaires, ainsi qu'au moins deux aires de grand passage d'ici 2019. Sur la route nationale 10, dans la commune des Essarts-le-Roi, un terrain proche de l'actuelle aire d'accueil est envisagé. Ce projet est loin de faire l'unanimité. En décembre, une pétition contre cette implantation a été mise en place. Si elle regroupe les communes des Essarts-le-Roi, Lévis-Saint-Nom, elle a été lancée par la ville de Coigny, dont l'espace commercial est proche de ce site. Nous sommes inquiets, notamment, bien sûr, pour ce secteur commercial, avec l'arrivée de 300 à 400 caravanes et puis environ 1000 personnes, peut-être de mai à septembre ou octobre de chaque année. Et puis, également, le terrain n'est pas disposé pour accueillir ce type d'aménagement. Les différentes communes mettent en avant des difficultés écologiques avec la proximité d'une rigole alimentant la base de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines, des difficultés pour le trafic routier, mais aussi la sécurité des familles qui résideraient sur cette aire. La pétition a d'ores et déjà recueilli plus de 3000 signatures. Envoyée au préfet, il n'a pas encore statué. Lorsque je suis arrivé en août, j'avais dit qu'effectivement je prendrais la décision, puisque c'est une décision qui relève de l'État, de définir le terrain, ou les terrains, mais en tout cas le terrain, susceptible d'accueillir une aire de grand passage dans le sud des Yvelines. D'ici la fin du mois de mars, je prendrai la décision sur l'aire de grand passage du sud des Yvelines. Entre-temps, je vais consulter encore. La décision prévue en novembre dernier avait été repoussée à cause des attentats de Paris. Si les communes de plus de 5000 habitants participent au financement de l'aire, des contreparties financières et des mesures seront accordées, selon le préfet, qui devrait bientôt officialiser son choix.